Et non, ce n'est pas Ninja Gaiden, c'est Yaiba Ninja Gaiden Z. Salut à tous, c'est amis, c'est Letko, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de Yaiba Ninja Gaiden Z d'ailleurs. Donc voilà, un jeu que je viens de recevoir. Première chose, c'est un jeu que j'avais testé lors de la Japan Expo sur le stand de Yaiba Ninja Gaiden Z. Il y avait aussi Dynasty Warrior. Ah bah, il y a la démo qui s'est mise en route. On se retrouve après. Killed you 15 ninjas ago, Hayabusa. Let's make up for lost time. En tout cas, moi j'aime bien la musique, hein. La petite musique de rock là comme ça. Là, on peut voir un zombie tranché, enfin planté au niveau de la cervelle. On a pu sortir pour pas que la démo se remette en route, les amis. Donc ouais, donc je vous disais que c'était un jeu que j'avais testé en avant-première la Japan Expo avec Killer is Dead, avec Saints Row 4, avec Dynasty Warrior. Donc c'est la première fois que je touchais Yaiba Ninja Gaiden. J'avais rencontré le chef produit de Yaiba. Donc je vous invite à aller voir mon reportage sur la Japan Expo 2013. Donc voilà. Sinon, j'aime bien la jaquette. Dans la spéciale édition, on nous offre un tout petit comic book. Franchement, très 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 sympa. Il y a une vraie notice. Donc bon, une notice de pas beaucoup de pages, hein, de pas énormément de pages, mais une notice de, je crois, il y a 4-5 pages, mais au moins il y a les commandes en couleur et tout ça, des écrans, des screenshots du jeu, ça fait plaisir. Au moins c'est important de le noter. Donc voilà. Donc c'est un jeu malheureusement qui apparemment les premières notes ont été catastrophiques. Donc voilà. Donc bon, on va voir de quoi il en retourne, comme dirait mon ami Siskia, de ce Yaiba Ninja Gaiden. Donc c'est un jeu édité par Tecmo Koei et développé par Spark Unlimited. Donc c'est un beat'em all bourrin. D'ailleurs, Peggy déconseille au moins de 18 ans. Donc il est sorti le 21 mars 2014. Et il est sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, et non sur PS4 ou Xbox One. Vous le retrouverez environ dans les 40, une quarantaine d'euros sur internet si vous cherchez bien. Donc voilà, pour ce Yaiba qui a eu une petite première preview assez bonne, mais d'après la presse internationale, surtout la presse américaine, il est en train de se faire apparemment démonter le jeu. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va d'abord aller dans les options. Voilà, on va aller dans audio parce qu'on n'a pas vu les sous-titres. Voilà, vous avez vu 100, donc on met les sous-titres parce que vu que vous avez compris que c'était en anglais, donc voilà, il nous faut les sous-titres. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dès le début. Vu que ma console est en français, vous avez vu, hein, le menu est en français, donc voilà. Alors on revient. Vidéo, on va voir ce qu'il y a. Bon, ça c'est le gamma, bon, je vais le laisser comme ça. Donc vous avez vu, hein, donc vous avez vu là, à l'intro, Yaiba s'est fait trancher le bras gauche, par Ryo Hayabusa, donc celui qui est le héros des Ninja Gaiden, tout court, hein, Ninja Gaiden Z. Donc là, c'est Yaiba, c'est un sort de spin-off. On va contrôler un autre ninja.
qui va devoir se battre contre des zombies. Donc il aura un bras bionique, un bras métallisé, quoi, mi-homme, mi-robot, qui va trancher tout ce qui bouge, des zombies. C'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime bien dans le Beat'em All, c'est vraiment fait pour se défouler, et je trouve que l'univers est vraiment bien choisi pour se défouler. On a un héros apparemment qui a l'air surpuissant face à des hordes de zombies, je vais y arriver. Donc ça peut être que jouissif. Manette, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, ah mais c'est super, c'est super, Cybervision c'est quoi? C'est L1 ou L2? Ah oui, la perspective nous donne, je pense que Cybervision c'est L1, et exécuter c'est L2, je pense. Et bloquer, contrer c'est R1, et attraper, lâcher c'est R2, je pense. Ils auraient dû incliner la peste, la DualShock 3, pour voir, mais bon, c'est pas grave. Coup de poing, triangle, épée, carré, fléau, arme secondaire, rond et sauter, courir, X. Donc, soif de sang, L, R en même temps. Donc, ça doit être une sorte de furie, je pense. Et je pense aussi que la caméra reste fixe. La caméra comment on va dire ça? Ma caméra centrale, elle reste fixe. C'est des plans fixes, apparemment. Donc on ne fait que il n'y a pas le fait on n'a pas une caméra libre qu'on dirigerait avec par exemple avec le stick droit par exemple. Donc là on va aller dans le jeu, on va voir ce qu'il y a. Combo c'est quoi? Activer le HUD de création de combo. Ah oui d'accord, ok. En fait c'est quand on appuie sur les. En fait c'est pour faire app, je pense, hein, après peut-être que je dis n'importe quoi. Mais je pense que le HUD. Pour les combos, c'est par exemple quand on appuie sur les boutons, ça va afficher les boutons qu'on a exécutés à l'écran. C'est un peu comme Street Fighter, par exemple. On peut afficher les combinaisons. On va pas le faire, Bon, les crédits, c'est les crédits, on s'en fout. Donc on va revenir, on va faire une nouvelle partie, quoi, tout simplement. Alors, bon voilà Yaiba, comment il est après son combat contre Ryo Hayabusa, si je prononce bien, si c'est bien ça. Donc là, 0, tout est 0, ça ce qui est normal. Alors, ah donc voilà, les costumes. Donc là, pour l'instant, je peux pas changer. Mais si vous avez précommandé le jeu, par exemple, chez Micromania, je crois qu'il vous donnait le costume de Mighty numéro 9, ou 98, non, Mighty 9. Attendez, Mighty number 9, voilà. En fait, Mighty No. 9, c'est le futur gros projet de Kenji Inafume. D'ailleurs, Kenji Inafume qui a supervisé le développement de Yaiba Ninja Gaiden Z. Le créateur de Megaman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Kenji Inafume, qui va créer son propre jeu Mighty No. 9. Une sorte, si vous voulez, de spin-off à Megaman, même si ça va beaucoup se ressembler à Megaman dans le gameplay. Dans le système de jeu, un jeu qui a été kickstarté et qui a eu qui a dépassé son seuil de Kickstarter 40 fois. Donc normalement il devrait sortir sur PS4, je crois, Steam, PS3, Xbox 360, Xbox One normalement, Mighty Number 9. Donc voilà, donc difficulté, on peut mettre difficile, on peut mettre facile. Bon, je vais laisser en normal, je connais pas le jeu, donc on va commencer la partie. Sauvegarde automatique, ok. Il y a la petite roue sur le côté qui tourne. Des fragments secrets permettent de rendre Yaiba plus résistant. Partout dans le monde. Alterner les différents types d'attaques pour trouver de nouveaux combos. D'accord. Donc, alors c'est carré et triangle pour. D'accord, carré et triangle pour frapper, soit avec l'épée ou soit avec les poings. R1, alors attendez, effectuer un. D'accord, R1 c'est pour bloquer. Bon, ça, on l'a déjà vu. Bon, malheureusement, je... Ouais, voilà, passer, select. J'espère qu'il n'y a pas eu une autre... Ah, voilà, c'est ça. La première fois, c'est toujours le meilleur. Quelqu'un a été crazy enough to bring me back. But not all of me. Instead of an arm. I had a piece of metal frozen into a fist. It worked for me. I escaped from one hell and into another.
Russian military had turned its guns on its own population. A total bloodbath. Not a bad place for a comeback. I was a little off my game from being dead. But luckily, I wasn't the only one. Au travail, les zombies. Ok, donc là. Maccabé. Légère turbulence. Donc là, on a une super assistante Data Link. Je sais pas si c'est son nom ou si c'est le nom du logiciel. Donc, allez. Combo. Découvrez de nombreux puissants combos. Commencez l'attaque avec épée et enchaînez avec coup de poing et le flou avec rond. Ok. Donc ils veulent que je fasse carré, triangle et rond au fur et à mesure. Okay. Oh, c'est pas mal. En tout cas j'aime bien le style graphique. Cel shading comme ça. Ah, pas mal. Vous avez vu ça, c'est le combo carré. Ah, pas mal, vous avez vu, j'ai sorti une sorte de chaîne à la Kratos. Par contre, la caméra part un peu dans tous les sens, hein. On se rapproche. Oh là, oh putain, il y a un hélicoptère qui va me bombarder. J'ai oublié le nom de cet hélicoptère. Vous avez vu, des fois la caméra se rapproche, dézoome. En tout cas, c'est vraiment ça défoule, hein. Par contre, attendez. Ah, le fléau, c'est ça. En fait, c'est les chaînes. Ah bah, je peux le sortir. En fait, je crois que c'était un combo. Ah ouais, super. Ah oui, ça, c'est une attaque de groupe, ça. Ça c'est le coup de poing, ça. Donc, ça fait beaucoup penser à. Ça me fait beaucoup penser à Killer is Dead. Enfin, le personnage me fait un tout petit peu penser à Killer is Dead vu qu'il a un bras bionique. Enfin, il y a même la moitié de son visage qui est aussi modifié, vous avez vu, avec son nez rouge. Torse infecté. Alors, les torses s'accrochent à Yeba. Le vide de son énergie le ralentissent. Courir X ainsi que certaines attaques de coups de poing permettent de les déloger. Pardon. Voilà, bon, il n'y a rien de... Demi-tarif. Ok, donc il faut les esquiver. Donc esquive. En fait voilà, quand il y a plein de mains comme ça à l'écran, ça veut dire que je me suis fait attraper. Allez, je vais essayer le fléau. Donc je pense qu'en haut à gauche c'est ma barre de vie. Et en haut à droite c'est sûrement la barre de combo. Désolé, je laisse. Pour le moment, sache que... Ok. Donc L1, la cybervision. Ok, détruisez le mur. Vous avez vu, c'est un style très cartoon, hein. Très cartoon, très comics. Donc c'est pour ça que on va encore dézinguer du fumier. Oh putain. Oh, pas mal ça. DGC, un combo. Alors, vous avez vu, hein, quand on recule comme ça, après on va, hop, et la caméra se rapproche. Donc c'est un jeu un petit qui reprend certains mécanismes des jeux. Oh putain, ça y est. Il mange. Ultra Maccabé, d'accord. Donc là, c'est les Maccabé. Oh là là.
Alors, les derniers coups de combo rendront les ennemis vulnérables. Appuyez sur L2 pour exécuter et gagner de la santé. L2, hein, c'est ça. Ah, pas mal, un petit combo. Il y avait un jeu, c'est ça. Ah oui, c'était Rainbow Dormy quand on faisait un combo. Ouf. Ah ouais, c'est vraiment déconseillé au moins de 18, hein, ça c'est clair. Ça tranche partout. Oh putain. Ça fait beaucoup penser aussi à Lollipop Chainsaw aussi. Ça fait énormément penser. C'est un style de jeu qui fait beaucoup penser à Suda 51. Franchement, ça aurait pu être un jeu qui aurait été vraiment développé par Suda. De toute façon, l'autre, le fléau à chaîne. Alors, appuyez sur rond pour utiliser le fléau à chaîne. Hein. Ouais, si tu veux. Bon, ça, je l'ai compris tout seul. Hein. Ah, d'accord. Okay. Hop là. Toi, t'es dead. Faites quand ça apparaît. Voilà. Quand le jeu nous le dit. C'est très bizarre. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça défoule. Ça défoule bien. Voilà. En plus les combos se. Oh putain. Je l'ai arraché, je sais pas ce que je l'ai arraché. Je crois que c'est le cœur. Hop là. Bon, par contre on est. C'est vrai qu'on est très assisté parce que je pense que. Ou pas peut-être. Non, on a un peu assisté quand même parce que des fois on est peut-être loin de l'ennemi et le L2 se met. Non, bon là c'est un très mauvais exemple parce que j'étais près de mon ennemi. J'ai pris le contrôle du système du bâtiment. J'ai toujours eu envie de faire un peu de jardinage. Vous avez vu même la fille qui nous assiste, elle aurait pu vraiment être une des égéries de Suda 51, morceau d'histoire Select. Donc Select, on peut voir l'histoire, les personnages, les aptitudes. Donc l'âme sans cœur, donc 5 fois carré par exemple. Oula, d'accord, ok. Les morts restent à terre, donc carré et 3 fois triangle. J'ai bégayé. Donc l'humour est là aussi, hein. L'humour est là. Cyberbras. Cyber. Zombuff Stroganov. Ok. Ok, d'accord. Bon. Donc là, je sais pas où est-ce qu'on est. Je connais pas l'histoire, hein. Par contre, ne me demandez pas l'histoire. Dans ce genre de jeu, on s'en fout un tout petit peu, hein. On s'en fout un tout petit peu de l'histoire. Après, si vous voulez vraiment le savoir. Vous avez vu, hein, son sabre est coupé en deux, hein. Son sabre, enfin, son katana a été coupé en deux, bah, par son combat, après son combat avec Ryu Hayabusa. Your neural interface and online your fine motor skills. You can actually open your hand now and, you know, make stuff. Tu peux ouvrir ta main et attraper des trucs. Super. Là, d'accord. Ah, je peux bouger en arrière-plan. Zombie déstabilisé. R2 pour le saisir, attraper. Et R2 pour le jeter. Ok. Viande à frapper. Ah, d'accord, je peux le faire. Ah ouais, d'accord, c'est trop bien ce truc. Par contre, je sais pas si j'ai été attrapé ou pas. Lâche. Ah, d'accord, c'était ça qu'il fallait faire peut-être. Ah, fallait que je lance sur les débris pour qu'il m'ouvre le chemin. En tout cas, voilà, vous avez vu même le style graphique très fluo, très flashy. C'est pour ça que c'est un jeu que je vous dis qu'il aurait pu vraiment. Enfin, je sais pas, en tout cas, pour ceux qui le testent, dites-moi, hein, moi ça fait beaucoup penser à du Suda 51. Vous avez vu, la caméra n'était pas bien calibrée. Malheureusement, j'ai pas pu la tourner. Vous avez vu, elle est très très. Elle est fixe, quoi, tout simplement. Section R61, car au missile. Canonnière volante. R1 pour bloquer. Contrer. Yaiba peut contrer la plupart des attaques.
Appuyez sur 1, bloqué au dernier moment pour contrer les missiles de l'hélicoptère. Ah merde. Ah bah attends, laisse-moi le temps. Pas mal ça. Je l'ai mis. Niveau supérieur, appuyez sur Select pour accéder à l'arbre de gratification. Utilisez les points de gratification pour déverrouiller de nouvelles attaques, améliorer les capacités et les défenses de Yaiba. On va essayer de débloquer quelque chose. J'ai combien de ouverture à l'épée? Ça, je crois que je... Ah, verrouillé, d'accord. Bon, on va le déverrouiller alors. Voilà. Donc là, j'ai déverrouillé la base, ouverture à l'épée. Donc maintenant, je peux, quand j'aurai gagné un point, je pourrai déverrouiller la maîtrise du sabre, du cyberbras, récupération du feu, chacus. Donc chacus, ça va être une petite minute, chacou. Et recoller les morceaux. Voilà. Pour l'instant, j'ai acheté la première capacité. You survived that. Shoot. I wanted to get off early. Settle in, Monday. I plan on sticking around. Use your flail before you go splat. Ah merde. D'accord. Donc là, on a une phase de. D'accord, j'ai pas tout compris les amis. Hein. D'accord. D'accord. Ouais, il faut appuyer sur rond pour sortir le crochet là, le fléau. Manger cerveau, c'est bon. Déchiqueteur. Manger cerveau, c'est bon. Il est con. Oh putain. Attention. Putain, j'ai mis le cyberbras, quel con. Oh putain, j'ai mis. Est-ce qu'on peut mettre des. Ouh là là là, j'ai mis. Oh le salopard. Voilà. Ah, je bloque. Ah, je vais bloquer, je veux dire. Voilà. Putain. J'ai bientôt plus de vie. Putain, le con! Oh, le con, il m'a tué. Magnifique ce qu'il vient de me faire. Oh putain, vous avez vu là comment il a glissé? Techniquement, le jeu, déjà, bon. Techniquement. C'est pas du grand niveau, hein. On est un petit peu loin d'un Lollipop Chainsaw quand même. Mais le jeu reste plaisant à jouer, franchement. Après, je sais pas, pour 40 euros, je sais pas, je pourrais pas vous dire, c'est à vous de voir. Si vous vraiment vous aimez les jeux beat'em all comme ça, un peu what the fuck, où ça part dans tous les sens. Voilà quoi. Bon, ce qui est bien, bon, j'ai pas noté de ralentissement pour le moment, je sais pas si vous avez vu noter quelque chose ou pas. Mais j'ai mis... Attends, j'ai mis R1 quoi, tu me racontes quoi. Ah, il peut faire comme dans... Comme avec Scorpion. Je peux l'attraper avec mon harnais. Attention. Merde. Oh putain, il m'a attrapé le salon. Comme tout à l'heure. Il m'a attrapé. Tiens, prends sa fumée. Attends, il est pas mort. Attends, il est pas mort ou quoi? C'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries là? Vous avez vu avec le R1, enfin avec le L1, on peut mettre la cybervision pour voir les points faibles de notre ennemi. Par contre, les temps de chargement sont un petit peu longs. Ça, c'est un petit peu long. En plus, il y a une installation avant le jeu qui se met en route. Vous avez vu? On perd. Le temps de chargement un petit peu long, je trouve. Casser tête. Manger ce cerveau. Le déchiqueteur.
Ah par contre ouais, par contre je crois qu'il y a des... Par contre on dirait qu'il lui met un... Voilà. Putain, je vais encore mourir. Oh putain! Non! On voit rien! Ah ouais, non, mais c'est vrai que la caméra elle est un... Ils auraient dû nous laisser le choix de la caméra quand même. Là on est un petit peu dans la merde. Vous avez vu? Putain, je suis encore mort! Oh là là là, on va pas rester bloqué ici quand même! Ah, je vais pas rester bloqué ici quand même! Oh là là, si votre santé est bas, exécutez l'ennemi avec L2. On va essayer avec le L2. Mais je crois que le L2, malheureusement, ça c'est possible que quand le jeu nous le demande. Je pense pas que je peux le faire comme ça. Je ne pense pas. Je vais essayer de lui mettre des gros coups. Vous avez vu, hop. Et paf. Celle-là, ça t'a fait bien mal, celle-là. C'est bon. Elle fait le con. Vous avez vu, regardez, je ne vois même pas où est-ce qu'il est mon personnage. C'est un peu dommage. La caméra, je pense qu'ils auraient peut-être pas dû faire ça. Oh putain, mais non! Attends, recule. Ah, c'est bon, je l'ai tué, ce sale con. Attendez, on va voir. Personnel vie. Ah, on va pouvoir peut-être changer de fléau. Voilà, ça c'est le harnais, la cyberrétine. D'accord. Gratification. Voilà. Ah, j'ai rien gagné. Ah, d'accord, ok. Non, je peux pas. Ok. Ah, d'accord, il faut que je monte là-haut. Oh putain, je suis mort. Oh putain, j'ai le bon réflexe. C'est vrai que tout est linéaire. Hein. On contrôle rien. Ok, tu es perché et maintenant. En tout cas, elle est bien jolie, notre assistante. Donc après, on va s'arrêter là, les amis. Après ça, il n'y aura qu'un avertissement. Donc, il faut appuyer sur R1 au bon moment. Voilà. Donc ça, par contre, j'ai bien compris. Hein. Oh putain, les zombies arrivent. Donc après, c'est hors de zombies, on va s'arrêter là, les amis. Hein. Viande à frapper. Peuvent être attrapés à tout moment. Ah, je peux les attraper à tout moment avec R2. Attends, comment on en attrape un? J'essaie des combos. Viens ici. Attends, putain! Ah, oh, je peux prendre ton pote et frapper les autres avec. Viens là, je te dis! Putain, j'arrive. C'est pas bon. Ah oui, voilà, c'est R2. Et pas L2. Voilà, je peux prendre. Donc on peut choisir hein, son type de combat à l'épée, au coup de poing.
Oh putain, ah mais comme un con, moi j'y vais moi. Ok. Attention. Là je suis là j'étais safe. Là aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pollution atmosphérique. C'est peut-être le chapitre où je suis. Et après faut faire quoi? Ah. Oh putain, les zombies plus Oh putain. C'est bon, oh putain. Ah, là il y a beaucoup, là il y a eu une belle baisse de framerate. Oh le grand matériel militaire. Attends, voilà. Attends. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Non, par contre, on peut pas tomber, hein, les amis. Hein, tout est scripté. Putain, par contre, c'est le bordel. On voit rien, on comprend rien. Allez, à l'hélicoptère. Oh putain. Je suis en train de mourir. Ah, mais attends, c'est le bordel là. C'est le bordel. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette découverte de Yaiba Ninja Gaiden Z. Bon petit jeu, beat'em all. Moi, j'aime bien, mais il est pas exempt de tout reproche, ça c'est clair. Je lui mettrai pas un 7 sur 20 ou un 8 sur 20 comme j'ai pu le voir. Je pense qu'il doit être dans les mois. Attendez, j'appuie sur Start. Voilà. Moi je dirais franchement là à chaud comme ça je lui mettrais un 12-13 sur 20 pour le moment. Bon après il faut que j'y joue, il faut que je vois les capacités du jeu, mais c'est un jeu qui se laisse jouer. 40 euros, je trouve que c'est un petit peu cher. Je pense que s'il l'aurait mis à 30 euros, je pense que l'investissement aurait été mieux accepté. Donc voilà mon avis pour ce, enfin mon premier avis, hein, c'est pas mon avis définitif. De toute façon, je pense en faire un article pour letcohd.com. D'ailleurs, je vous invite à venir faire un tour sur letcohd.com, sur mon Twitter et sur mon Facebook pour savoir toute mon actualité quasi quotidienne. Donc voilà, attendez les amis, je bois un petit tropico. Voilà. Donc voilà pour cette découverte de Ninja Yaiba Ninja Gaiden Z. Moi je coupais ici la vidéo, je vais continuer à jouer. Et moi je vous dis à la prochaine pour du Donkey Kong, qui aura du Metal Gear Ground Zero. Je l'ai pas encore capturé tout ça, donc ça va arriver. Donc moi je vous dis à la prochaine, jouez bien, portez-vous bien, ciao ciao.